En ex-République yougoslave de Macédoine, l'opposition accentue sa mobilisation contre le pouvoir. Environ 20 000 personnes se sont rassemblées hier devant le siège du gouvernement à Skopje, la capitale, pour exiger la démission du Premier ministre Nicolas Gruevski. Elle l'accuse notamment de corruption et de dérive autoritaire et sécuritaire avec un vaste système d'écoute. La liberté et la démocratie n'ont pas de prix pour nous, dit cette manifestante. Nous irons jusqu'au bout, jusqu'à sa démission. Les partisans du gouvernement n'ont rien à faire ici. Qu'ils aillent manifester ailleurs. Ici, il n'y a que des citoyens honnêtes de notre République. Brandissant des drapeaux macédoniens mais aussi albanais en signe d'unité, les manifestants ont promis au chef de l'opposition, Zoran Zaïev, de demeurer devant ce bâtiment jusqu'au départ du Premier ministre conservateur. Au pouvoir depuis 9 ans, Nicolas Gruevski n'a pas dit son dernier mot. Il organisera dès ce soir sa contre-manifestation.